Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'IT High Tech du 15 septembre 2020. Je suis GSG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous. Alors cette fois, maintenant c'est deux fois par semaine, hein, le mardi et le vendredi, ça me laisse le temps un petit peu de recharger mon quickening, voilà, afin de vous proposer deux émissions par semaine et puis une spéciale le dimanche, on en parlera en fin de semaine. Ça commence maintenant. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés peut-être à GSG Vidéo ou qui sont restés abonnés. Hein. Bienvenue dans la famille ou merci d'être resté. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. On arrive tout doucement à dépasser les 150 pouces en l'air. J'ai bien cru qu'on n'y arriverait pas sur la dernière émission et en fait non. Voilà, avec un petit effort de chacun, je veux dire, on fait entre 600 et 1000 vues par émission si on cumule un peu Facebook et YouTube. 150 pouces en l'air, ça paraît pas insurmontable, mais voilà, encore une fois, avec le petit effort de chacun, ça permet de faire 150 pouces en l'air, et ça me fait extrêmement plaisir. Également, le Zap de l'actu High Tech, la seule émission qui est financée par sa communauté, on remerciera Macha Daël, qui m'a fait un petit Tipeee. Je rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure, et enfin, assurer sa longévité, sa prospérité. Paix et prospérité, forcément, en faisant soit un petit super chat pendant la diffusion de l'émission, soit en faisant un petit Tipeee. Voilà, donc vous allez sur Tipeee, vous faites un petit café et tout, et vous serez en fait dans la liste. J'ai essayé de mettre la liste de tous les tipeurs du mois, parce qu'encore une fois, c'est vous les producteurs de l'émission, donc c'est normal que vous voyez votre nom à chaque émission. Allez, on commence par la première news, puisque, alors, j'ai reçu la caméra Insta360R, celle avec les deux modules et tout, mais, alors, je devais commencer la vidéo et j'ai vu que cette semaine, il y avait une mise à jour qui était tombée, qui permettait d'augmenter les modes nuit et des modes slow motion et tout, donc je me suis dit, voilà, attends un peu, puis j'ai vu qu'il y avait un autre module avec une lentille beaucoup plus large, je me suis dit, attends, des fois qu'ils me contactent, qu'ils me disent qu'il y a une nouvelle lentille, qu'on puisse le faire le deux en un, je vais attendre un peu avant de faire un truc et être obligé de recommencer ou alors de ne pas être au goût du jour. Donc, ce sera peut-être pour reporter à la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après. On verra. Il n'y a pas urgence et tout. Il n'y a qu'une nouvelle lentille. Par contre, on parlera de la Insta 360 Go. Alors, c'est une caméra que je ne connaissais pas parce que bon, je ne suis pas trop intéressé au niveau des caméras Insta 360. Mais ils ont une caméra. En fait, c'est une toute petite caméra sur laquelle ils ont mis la lentille. Donc, 180 degrés. Ça veut dire qu'une lentille qui coupe, qui ouvre super large et qui permet de filmer un petit peu tout. Et ce qu'ils proposent, c'est dans cette petite caméra qui est ultra compacte, hein, qui va pouvoir mettre, vous voyez, qui est grande comme ça, qui va pouvoir mettre fixée un peu partout, c'est de filmer par exemple en 3200 et après de retailler l'image, c'est-à-dire faire une stabilisation numérique. Vous pouvez le faire avec n'importe quel logiciel de montage vidéo un peu chialé. Ça veut dire que quand tu as une grande image et qu'en fait ça tremble, le logiciel en fait prend une image à un point fixe et stabilise en fait dessus. Bon bah là c'est plutôt intéressant puisque bon bah alors les lentilles Insta360 filment très très large, ça permet de filmer en 3200 et de couper en 1920. Donc du coup, tu as quasiment deux fois l'image pour pouvoir retailler. Donc du coup, avoir avec un bon traitement logiciel, un traitement numérique qui est dingo. Alors après, il faut un peu des watts derrière hein, pour traiter un peu tout ça. La caméra, elle est plutôt sympa parce qu'elle est compacte, elle n'est pas excessivement chère. Et ça permet d'avoir une petite caméra compacte, étanche, slow-mo et tout, avec une stabilisation numérique de fou. Ce qu'on avait déjà vu sur la première Insta 360, qu'on verra certainement encore une fois avec la R et qui serait forcément de rigueur avec cette version Go. Plus elle est pas chère. Bon, comme avait été tourné un petit peu mon article, je sais pas si vous comme moi, depuis que j'ai pas découvert l'USB type C, mais depuis qu'ils en mettent un peu partout, par exemple sur mon MacBook, sur mon téléphone, je crois que c'est les écouteurs, pas mal de trucs, et ben il a fallu passer à avoir pas mal de hubs pour pouvoir mettre les anciennes connectiques. Tu sais, les trucs old school, le HDMI, le USB 2 ou le USB 3 et tout, les lecteurs de cartes qui ont tous dégagé par exemple sur les MacBook Pro. Et ben là, c'est un nouveau lecteur, encore une fois, c'est pas un Xiaomi, il est vendu dans le réseau Xiaomi, mais il est fabriqué par la marque Miui. Bon, voilà. Bon, un 7 en 1. il n'est pas excessivement cher, il est complet. Est-ce qu'il fait mieux que les autres? Encore une fois, ce qui est important dedans, c'est que c'est pas simplement un hub, il y a vraiment de l'électronique pour décompresser l'USB type C en HDMI ou pour lire les lecteurs de cartes et tout. Donc, il faut un produit quand même un petit peu quali. Moi, j'en ai déjà 2-3 des comme ça, donc je vois pas trop l'intérêt d'acheter celui-là en plus, surtout qu'il fait exactement la même chose que les autres. Si ce n'est que c'est un produit Xiaomi. Xiaomi, c'est bien. Et puis, si tu as commencé une collection, il te faut celui-là.
Le Bon, allez, alors que Huawei a fait une conférence pour présenter un petit peu son Hongmeng OS, dont on verra le logo tout à l'heure, ils ont également proposé la liste des téléphones qui seront compatibles avec MIUI 11. Alors, MIUI 11 ne sera pas sous Android 11, puisque Google ne donne plus les accès en fait à Huawei. Donc, ils sont obligés de voir ce qu'il y a de nouveau. Et en fait, ils peuvent, sur leur ROM à eux, c'est-à-dire leur surcouche à eux sur Android 10, rajouter des fonctions, bricoler un petit peu homemade, qui s'approchent de Android 11. Donc, on pourrait voir arriver sur cette version pas mal de, je vais pas dire de nouveautés, mais de choses qu'on ne pourrait pas avoir sur Android 10, qui ressemblent un peu à Android 11, ou sont des choses qu'on aurait attendues et qui ne sont pas d'Android 11. On parle de trucs de sécurité, de partage et tout. Enfin, il y a pas mal de fonctions qui pourraient être vraiment évoluées et encore plus après sur Hongmeng OS. Donc, la liste des téléphones, elle est... Alors, il y a déjà une bêta qui tord un petit peu, mais les prochains téléphones qui sont sûrs d'avoir cette mise à jour sont dans la liste dessous. Donc, forcément, comme je le dis un peu dans la news, moi, j'ai un Mate 20X. Je regarde mon téléphone dans la liste. Je suis heureux comme un poisson-chat dans l'eau. Voilà. Donc, alors... Et comme je l'ai mis en fait en bas de la news, c'est que... On a toujours l'impression que ces mises à jour, tout le monde dit « Ah, mais les mises à jour, les mises à jour, les mises à jour !» Et je pense que c'est un peu un problème de geek, c'est que moi, quand il y avait la mise à jour en MIUI 10, il me la fallait, j'attendais, je rafraîchissais tous les jours, j'essayais de forcer l'installation, et je l'ai installé. Et en fait, ça n'a pas changé ma vie du tout, c'est que c'est même moins bien qu'avant. Je préférais le partage d'écran d'avant, alors que là, il y a un espèce d'onglet coulissant et tout, je préférais presque celle d'avant que celle-là qui apporte quelques trucs, mais c'est pas flagrant. Donc, est-ce que MIUI 11 va changer ma vie? Je pense que jusqu'à ce que je l'installe, je vais penser que oui. Puis une fois que je l'aurai installé, je me suis rendu compte que c'est pareil. Ça reste un téléphone et tout, avec quelques fonctions en plus, dont je ne me sers pas. Donc c'est vraiment un problème de geek. On me dit « Ah, mais les mises à jour, les mises à jour, les mises à jour de sécurité et tout. » avec tous les devices connectés qui ont une sécurité de merde, je veux dire, c'est pas un problème de smartphone. C'est plutôt un problème de l'horloge, de ton réveil radio, ton aspirateur, du Judas et tout. Et tout le monde sait que l'histoire avec Judas, elle s'est mal finie. Allez, on parlera un petit peu de Amazfit ou de UAMI. Parce que UAMI, un ami pour la vie, bien évidemment. Mais UAMI, ce n'est pas que la marque Zep. C'est surtout la marque Amazfit. Comment ça, tu connais pas la marque Zep? Non, mais personne ne connaît, c'est pas grave. De toute façon, ça ne marchera pas. Voilà, Amazfit GTR 2, elle vient d'obtenir la certification Bluetooth. Donc déjà, ça permet de savoir un peu plus sur la montre. Évidemment, elle sera en Bluetooth 5 et ça sera une montre ronde. Ce sera une montre ronde. L'Amazfit GTR avait déjà été ronde. C'est l'Amazfit GTS qui était carré et qui pourrait passer également en ronde. Ronde comme un ballon et tout jaune comme une montre connectée. La montre connectée, elle vient de passer la certification, ce qui fait vraiment que, si elle vient de passer, on aurait un lancement qui serait quasiment imminent. Alors, est-ce que ça se tient avec la news qui pourrait être faite en disant Huawei va s'associer certainement avec Tesla pour produire une montre? Alors, soit ils vont s'associer avec eux, mais c'est peu probable, soit ils vont apporter des fonctions dans leur montre qui sont compatibles avec les voitures Tesla. On ne sait pas trop, normalement ça devrait tomber aujourd'hui. Je vous mettrai la news sur le JT Geek. Je vous en parle un petit peu comme ça, mais c'est peu probable que la GTR 2 ait, à moins que dans leur nouvelle OS, il y ait des trucs spécialement pour Tesla. Voilà, je ne sais pas. Ça sera la surprise du jour. Bon, enfin, on parlera du logo Harmony OS. Alors, je veux dire, Harmony OS, c'est pas simplement l'OS qui va sortir pour les smartphones, c'est vraiment leur OS qui va être bon pour tous les écosystèmes, un petit peu comme t'as Android partout, et donc du coup, tout communique ensemble. C'est pour ça que c'est bien des fois d'avoir du Samsung, c'est que tout communique un petit peu ensemble et tout. Là, Harmony OS serait donc bien évidemment, comme on voit dans le truc, pour les devices, dans un premier temps, les télés, les routeurs, les hubs, les écouteurs et tout, tout tournerait sur Harmony OS, et ensuite, l'année prochaine, on verra les téléphones arriver sous Harmony OS, donc il y aura vraiment une connexion, une connectivité, une interaction et une communication pour envoyer toutes tes données aux méchants chinois, d'un côté limpide et propre, alors que les Américains, pas du tout. Comment ça? Google, ils m'espionnent pas. Google, il lit pas mes mails, il me dit pas « Eh, dis donc, vous vous rappelez l'année dernière, vous êtes allé ici, bon souvenir, hein ?»« Ah bon ?» Ou tu vas à un endroit, il dit « Non, mais c'est pas encore ouvert, hein. ça va ouvrir qu'à telle heure et tout. » Voilà, donc bon, on est méchant chinois, méchant américain, je sais pas à qui il faut donner nos données, mais donnez-moi. Bon, Realme pourrait nous proposer deux nouvelles smartwatches, et c'est vrai, ce qu'on voit sur la première génération de la smartwatch, c'est que c'est pas top. Beaucoup, je regarde un peu les commentaires, les forums et tout, beaucoup disent « Ouais, c'est pas terrible leur truc là ». Bon, en espérant que la Watch S et la Watch S Pro soient un petit peu mieux, des montres qui seront rondes,
bien évidemment, qui reprendront un peu cette tendance des montres connectées. Alors, je vous refais pas tout le speech dessus, puisque la marque a beau vous dire, ouais, mais alors nous, tu vois, on va faire une montre avec un écran AMOLED 1,39 pouces, ouais, des boutons sur le côté, tachymètre, le cadran, et nous, la nôtre, elle va compter les pas, tu vas recevoir des notifications, et t'auras même un capteur cardiaque, et peut-être même un SPO2 sur la version Pro. T'as envie de leur dire, bah, comme toutes les montres, en fait, jusqu'au mi-band... Alors, elle est où ma montre? Je l'ai rangée quelque part. Jusqu'au mi-band 5, tout fait ça. C'est exactement le même fonction. Donc, est-ce qu'elle va apporter quelque chose de plus? Non. Est-ce que les montres se ressemblent? Là, on arrive sur un moment où faut arrêter de faire des montres diverses et variées. Ça sert à rien. Enfin, quel intérêt de se jeter sur cette montre-là alors qu'elle fait pareil que toutes les autres? Yo no lo sé. Bon, on parlera de Houkitel qui a lancé la news hier avec le Houkitel WP8. Pas pro, hein, c'est, enfin si, WP8 Pro, mais pas sport. Annoncé, alors, le téléphone, il a l'air plutôt joli dans le communiqué de presse, au moins. Ce qui veut tout dire. Bon, le téléphone WP8, alors, un écran de 6,49 pouces, c'est pas mal. Une batterie 5000 mAh, c'est bien. Processeur octa-core, on est dans la norme. Il a bien sûr le NFC. Et apparemment, selon leur dire, par rapport à tous les téléphones un peu résistants, ça serait le plus fin. Et plus fin que fin... Non, c'est pas Plantafin, c'est Houkitel. Houkitel WP8 Pro. Plus fin que fin, c'est Houkitel WP8 Pro. Mais tu me dis, mais ça rime pas. Je vais dire, mais pas rimer à chaque fois. Pas fois. T'as vu? J'ai quand même réussi à la placer. Il est fort. Comme le... Non, on va arrêter, ça suffit. Bon, le téléphone, un téléphone résistant, nanana, il va apporter plein de trucs que vous en avez rien à foutre, mais bon, il les apporte quand même, tu les as dans ton téléphone. 4 plus 64, il est pas excessivement cher, on voit bien. Alors, il aura le baromètre. Comme ça, tous les matins, en te levant, tu sauras. Je ne vous l'explique pas, celle-là. Après, on va se faire démonétiser alors qu'on ne l'est même pas. Bon, un écran HD. Ah, HD, c'est pas full HD. Merde. Bon, bah tant pis. Bon, après, micro. Alors, micro USB. Putain, mais c'est quoi cette merde qui nous ont sorti? En fait, j'ai fait l'article et j'ai fait le communiqué de presse hier soir pour le mettre ce matin. J'ai pas lu le truc et tout. C'est bon, Mediatek MT67. Nanana. Bon, bah, c'est encore un truc à 150 balles. Hein, on est d'accord? Fais voir, vérifier le prix. Je crois que je l'ai mis dans la news en plus. 177€. Mais là, il va y avoir une offre exceptionnelle, bien évidemment, à 119$. Bah voilà, il va être à 119$. Tu mets ça en euros plus des écouteurs offerts. C'est un téléphone à 100 balles. Ce qui permettrait peut-être de lui pardonner son insolence. De n'avoir qu'un écran HD, hein, même si on voit pas la différence. Le processeur, voilà, 4 plus 64. Bon, ça a l'air pas mal, c'est un téléphone résistant à 100 balles, il va être fin. Est-ce qu'on arrivera à en avoir un? J'ai envie de dire, on pourrait quasiment leur mettre la pression, mais c'est des téléphones à 100 balles. Putain, quand je vois le temps que j'y passe pour faire un téléphone à 100 balles et tout, pour le revendre quasiment 50 balles après. Nous, on n'est pas rémunéré pour tester les téléphones, on revend 50 balles. Enfin, c'est beaucoup de temps et d'énergie pour pas grand-chose. Et je suis pas convaincu que si vous aviez envie d'un téléphone résistant, vous en ayez pas déjà un, que vous attendiez pas ce WP8 Pro. Ouh. Bon allez, enfin, on parlera de Nokia. Nokia, la plus finlandaise des marques de smartphones. Hein. Alors, parce qu'à chaque fois quand je dis, bon, Nokia, c'est chinois, tout le monde me dit, mais non, c'est HMD, et HMD, c'est les Finlandais. Et tout le monde sait que les Finlandais, ils font des téléphones. À part que du coup, je suis allé vérifier moi-même. Bon, quand tu regardes sur leur site, il y a bien marqué qu'ils ont 3 sièges incroyables. Ils en ont un en Finlande, voilà, siège social de l'entreprise, ils sont obligés. Un à Londres, pour la défiscalisation, bien évidemment. Et un à Shenzhen. Alors, Shenzhen, je connais un petit peu, hein, je suis allé une fois ou deux là-bas pour en vacances. Bon, c'est quand même... Voilà, on comprend bien que les téléphones sont fabriqués là-bas, par les usines de là-bas et tout, donc... Chinois, pas chinois, moi je veux bien que tu me brandes ça finlandais, mais bon, s'ils ont un siège social à Shenzhen, c'est bien que c'est, voilà, c'est la société, t'as, voilà, que comme moi, ma société est à Hong Kong. Et pourtant, j'ai pas la gueule d'un Hongkongais. Bon, alors le Nokia 7.3 devrait sortir avant le 9.3, bien évidemment, qui pourrait sortir avant Noël. Bon, au niveau du téléphone, forcément, Nokia suivra un petit peu la tendance. Bon, à part là, c'est un leak, hein, au niveau de la photo, donc vous emballez pas les photos comme ça en 3D, ça a toujours l'air incroyable. Le téléphone pourrait avoir un écran Full HD de 6,3 pouces, c'est pas mal, un Snapdragon 690, étonnamment. Une caméra frontale 24 mégapixels, caméra arrière 48 et 64, donc ça sera 64 plus 48, ça pourrait être intéressant, il faudrait presque 100 pixels au total.
100 mégas, une batterie 4000 mAh, une charge rapide 18 watts qui est à peu près 9 x 2 ampères. Donc bon, c'est rapide 2019, hein. C'est, voilà. Bon, après, il faudra attendre de voir le téléphone. Alors, est-ce qu'il y a encore un marché pour Nokia? Est-ce que, alors, s'il vaut 200 balles, j'ai envie de te dire oui, mais le problème de Nokia, c'est que leurs téléphones ne sont pas aussi chers. Ils risquent d'être entre 200 et 300 euros et que maintenant, dans 200-300 euros, il y a énormément de challengers. Il faudrait vraiment avoir une affinité avec Nokia pour dire oh, c'est absolument celui-là que je veux, quoi. Alors que bon, la photo, on ne sait pas. L'OS, bon, ça va être du Android avec une surcouche peut-être Nokia. Il faudra vraiment voir le téléphone là, mais encore une fois, comme je le mets dans l'annonce, Nokia, en l'an 2000, il n'y avait que Nokia, maître du monde. Et après, maintenant, Nokia, maître de Shenzhen. Même pas. Et enfin, on finira avec deux séries télé. Alors, la première série télé que j'ai regardée un peu à reculons, s'appelait... Alors, je viens enfin de me rendre compte, enfin, depuis un petit moment, que c'est pas Netflix, c'est Netflix. Moi, je pensais que c'était Netflix, avec un fixe comme... Enfin, comme fixer un truc, voilà. Non, c'est Netflix. À chaque fois, je dis Netflix. Non, c'est Flix. Voilà. Bon, ouais, alors une série d'anticipation, oui et non, hein. Alors, ils ont une base sur la Lune et décident de partir sur Mars, c'est un peu l'aventure. Une mini-série, pour l'instant, saison 1, que je voulais pas trop regarder. Alors, la série, elle est cohérente, parce qu'on parle de lancer une base sur la Lune, ce qui est soi-disant, après, les projets du futur, enfin, les projets qui existent déjà, mais des projets du futur. Parce que j'ai vu une théorie, alors je vous raconte un peu ma vie, j'ai vu une théorie, enfin, sur Internet, où le mec disait, il dit, pourquoi on retourne pas sur la Lune? Il dit parce qu'on y est déjà. C'est pour ça. Il dit, imaginons que dans les années, toi, après Tesla, après les nazis, toutes ces recherches-là, ils aient trouvé une technologie de gravité incroyable et tout. Soit qu'ils aient créé eux, soit qu'ils aient volé, soit qu'ils soient venus du ciel. Et que ça leur permette d'avoir une technologie incroyable avec de l'énergie gratuite et pouvoir aller où ils veulent. Mais le problème, c'est que l'économie, elle est quand même basée par rapport à l'énergie fossile. Puisqu'il y a pas mal de fortunes qui se font là-dessus, d'économies. Nous, on dépense de l'argent, les Émirats, le pétrole et tout. Ils peuvent pas dire, ah, on a trouvé un truc gratuit et tout ça s'effondre. Donc, ils sont obligés de continuer un peu dans le mytho en disant, on continue les énergies fossiles, puisque ça fait partie de l'économie et du game. Mais inversement, ils ont peut-être un truc incroyable qui leur permet d'aller loin. Et donc, du coup, ils sont allés sur la Lune et tout. Et c'est pour ça qu'en fait, tout ce qui est maintenant, qui a trait avec la Lune, les navires spatiales, tout est bidon. C'est pas que tout est bidon parce qu'ils sont pas allés, c'est parce qu'ils y sont déjà. Mais que nous, on est obligé de nous sortir un discours, tu vois, genre, ouais, mais on n'y est pas allé. Oh, c'est dur, on fait des trucs spatiaux et on investit des milliards de dollars et c'est un peu nous qui payons. J'ai trouvé ça super bien, voilà. Et que du coup, ils sont déjà là-bas et que la Lune, ils ont les trucs, ils sont là-bas, les stations et tout. C'est pour ça qu'ils y vont plus parce qu'ils sont déjà. Donc maintenant, ils nous sortent un peu du pipeau. Oui, on y va, on fait des fusées et tout, voilà. Je trouvais ça trop bien comme théorie, voilà. Bon, là, on repart, on va sur la Lune et après de la Lune, on se lance sur Mars. Et en fait, là, on pourrait croire que c'est une série fantastique de science-fiction. Pas du tout. C'est vraiment une série drama. Ça veut dire que c'est vachement lié avec les histoires de chacun. Moi, j'en suis à l'épisode 3. Alors là, l'épisode avec la chinoise, c'est bien. Alors, vous allez pouvoir réviser votre chinois parce que... Ni hao, wahaini. Wahaini, ça veut dire je t'aime. Wo, c'est... Ni, c'est toi. Et haini, voilà. Wahaini, c'est je t'aime et tout. Donc, vous allez pouvoir réviser un peu votre chinois. Il y a du crophage, je me suis rendu compte que j'arrivais à comprendre un peu. Mine de rien. Et puis voilà, donc il y a l'histoire avec les chinoises, l'histoire avec elle, son mari, la fille et tout. Et on voit que c'est vraiment un drama psychologique, quoi. C'est vraiment la psychologie de chacun qui évolue en fonction des épisodes et tout. Et que le truc de l'aérospatial, c'est pour attirer du monde, attirer le chaland. C'est vraiment une bonne série, en fait, puisque... Alors, c'est très, très long, hein. Les épisodes sont très, très longs, très, très pompeux, parce qu'on s'attarde vraiment sur la psychologie de chaque personnage. Au-delà de la fusée, de l'espace et tout. Mais c'est intéressant. Et on croit qu'il y a un complot, mais il n'y a pas un complot, les trucs et tout. C'est pas mal. Je vous conseille cette série. J'en suis à l'épisode 3. S'il y en a qui l'ont déjà tout regardé, vous pouvez dire c'est bien jusqu'à la fin. Ou si j'ai raison, si j'ai tort, ou si à la fin les extraterrestres vont enfin arriver. Parce que toujours un peu la tendance. Et enfin, on m'a envoyé également à regarder la série Révolution. Et c'est vrai que je l'ai vu sur Netflix hier, il me semble. Je l'ai vu passer. Après, je me suis dit, ouais, Révolution, nanana, mais apparemment, c'est une série française. Est-ce que la Révolution nous a menti et tout? Moi, j'aime bien les trucs, c'est est-ce qu'on nous aurait menti? Mon Dieu, une conspiration et tout, voilà. Je vais regarder, on m'a conseillé de ça, et puis c'est vrai que je peux alterner entre Huawei,
Ah ouais, et la Révolution. Voilà, l'histoire de Louis Croivet Bâton. Voilà, que ça, si je retourne en France, je suis au fait, j'ai regardé Révolution, la série française de Netflix. Je vais regarder ça et puis je vous dirai ce qu'il en est. Pas de film bien sur Internet en ce moment. Attendre, peut-être ce vendredi, il y aura peut-être Holmes, ce truc là, il me semble. Ça va commencer à arriver maintenant. On verra. Et puis si vous avez des bonnes séries, n'hésitez pas à me les envoyer soit par mail. admin@jtgeek.com. Si vous êtes sur Tipeee, que vous faites un petit soutien, bah vous pouvez aller directement sur Tipeee, m'écrire, et puis bah, me dire, voilà, comme a fait Ken Guénot, en disant, voilà, il y a cette série-là, tu devrais regarder et tout, voilà. Et puis comme ça me permet de regarder, puis je vous dirai ce que j'en pense vendredi. Bah oui, si tu l'as compris, on se retrouve maintenant 2 fois par semaine, mardi et vendredi, et ça sera pareil la semaine prochaine. Ça me laisse plus de temps pour moi pour préparer les émissions, essayer de vous faire un peu un condensé, de voir ce qui est bien, éviter de me mettre la pression en disant ah, tous les 2 jours, il faut que je fasse des trucs là, je peux avancer comme ça sur la review de la tablette, et bah, on se voit maintenant mardi, mercredi, jeudi et vendredi, c'est pas mal. Je vous rappelle, dimanche, on se retrouvera en live. Ouais, trop bien, voilà. Donc ça sera un live qui sera uniquement réservé aux tipeurs. Je vous rappelle, tu peux devenir tipeur, le lien est en bas dans la description, ça coûte à partir d'1 € par mois. Alors tu mets 1 euro, t'es tranquille pendant tout le mois de septembre. Ce sera pareil pour le mois d'octobre et tout. Et tu auras accès au live privé. Pour l'instant, il y a un live privé par mois fixé. Et plus il y aura de tipeurs, après on passera à 2 lives par mois. Et ensuite, les émissions, on va voir, on va s'adapter. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont écrit, on veut pas que ça s'arrête 2 fois par semaine, c'est mieux que rien. Mais après, 1 fois par semaine, et après, plus de fois par semaine, et après, aucune fois par mois, ça risque de manquer. Donc on va quand même garder peut-être certainement une petite formule. Ça dépend aussi un petit peu de vous. Tu peux aller sur Tipeee en bas, tu peux mettre un pouce en l'air pour soutenir l'émission, tu peux t'abonner si c'est pas encore fait, tu peux aller sur GLG Review, la vidéo des PAMU Quiet a bien marché. Samedi, ça sera la petite tablette. La semaine prochaine, j'ai une caméra IP. J'attends également le Houkitel qui devrait arriver et l'Insta 360R. Tant qu'elle râle pas, je la fais pas, mais bon, après, elle vaut cher, mais bon, c'est une vidéo gratuite. Hein. D'abord, les vidéos rémunérées, essayer de voir à peu près fin septembre où on en est. Et si on n'en est pas, on n'en est plus. Et je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Profitez bien de la vie, profitez bien de vos proches. On se donne rendez-vous vendredi. N'oubliez pas un petit pouce en l'air, un petit abonnement, c'est pas fait. Si financièrement tu peux le faire, un petit Tipeee, c'est pas grand-chose, mais putain, 1 balle de chacun, ça peut complètement faire la différence. On a mis les paliers sur Tipeee, tu vas voir que voilà, ça dépend plus que de vous. Et puis un peu de moi quand même. D'accord. Allez, forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. Bye bye. Bon, allez, c'est parti. Bon, comme on dirait chez nous. Il pleut sa mère, hein. T'as la vache. Pouf. Je sais pas si vous allez l'entendre. Peut-être vous entendez des petits bruits et tout. Normalement, avec le micro, peut-être pas. Ou peut-être. Ou pas. Ah, on verra ça au montage. Bon, alors, ouais, du coup, le fond. Ainsi, fond, fond, fond. On va mettre un peu comme ça. Là, on ça pixelise un peu. Hein. C'est un peu naze. Il est où le truc? Il est là. Attends. Non. Là. Voilà. Peut-être. Ah voilà. Ah, parfait. Charles. 1, 2, 3.